Goma choué wong pral chavire peuple haïtien. Luis Abinadel font déclaration. Li parle avec la communauté internationale. Plus précisément, l'ONI, l'OEA. Li fait comprendre que gen nécessité pour que problème kay ki haïtien résoud. C'est moun ki pi mal yo kap victime chaque jour pi plus. Moun ki gen l'argent. Moun ki mette pays dans sa kèl trouvé là, yo ap viv bien en Floride. Et en pile là-dedans yo, trouvé yo en République Dominicaine, y ap joui l'argent yo. Déclaration ça, li fait monsieur yo peur. Li bay ke sauté, li bay tête chargée. Ça qui vient pire là, 30 mars 2023 qui s'est passé là. Le premier ministre pays Canada, monsieur Justin Trudeau. Dans yon ti bouche parle qu'elle te gen dans téléphone avec président dominicain qui c'est Luis Abinadel. Eh bien, monsieur mandé Luis Abinadel pour le bayon bourade. Et c'est là que je comprends la déclaration que président dominicain, qui c'est Luis Abinadel, fait dans le sommet qui t'a organisé 27 à 28 mars 2023 avec Dominicaine. Moi, je viens de comprendre la déclaration. Et même, je viens de comprendre que Luis Abinadel, qui a fait la chasse aux sorcières contre des hommes et des femmes qui déplacent au haut niveau dans l'État en République Dominicaine pendant que Nexao brote l'argent PIA, et bien il a mis le code dans Nexao 2-3 ans après. Et bien moi, je passe mais qui est capable de faire en Dominicanie. Premier bagage que je souligne, dans la déclaration que le Premier ministre pays Canada fait, ce que je me dis, non, ou capable de sauver. Mais où est Premier ministre Justin Trudeau? Monsieur a pas attaqué les oligarques haïtiens fort. Monsieur a pas attaqué les criminels assassins qui a volé le pays, ça a mis le pays jusqu'au cou. Et n'a aucun problème. N'a senti ça. Si où est Premier ministre pays Canada capable de traverser en Dominicanie, et même pour le vilchou et fou et zone à Kalalou, pour demander Luis Abinadel, pour que li exige des comptes avec ceux qui financent la gang qui encourage la violence en Haïti. Pour exiger que ça aura un compte et poser que ça aura des questions. Ça veut dire que, techniquement parlant, on est capable de comprendre que le Premier ministre pays Canada capable de connaître que le président Luis Abinadel a pas de trop force, mais il a fait sentir que nous, à porter soutien de baou, nous camper derrière comme gros pays occidentaux, pour que ou prenne décision drastique contre criminel qui a fait violence sur le peuple haïtien, qui a broté l'argent par bout de sac, vin investir en Dominicanie. Et mais là, oligarque corrompu a un gros problème, politicien haïtien a un gros problème. Parce que pas oublier, sorti 2018 pour arriver 2000, alors sorti 2020 pour arriver 2023. Les oligarques corrompus avec la classe politique haïtienne, regardez, gros babine, gros palto, ils ont investi 1 milliard 500 millions de dollars américains dans l'immobilier en Dominicanie. C'est-à-dire qu'ils ont fini construire la Dominicanie pendant qu'ils ont crasé Haïti. Mais ça, c'est le pays. Et mais je vais te la gâter, oui. Je vais te la gâter. Comment tu dis ça? Chez Chimé Bouton, c'est Chimé Malin. Pas quand ils ont fait sous terre pour payer. Pas grand yon fait sauter ça pour pas payer. Vite l'homme innocent, allié sûr de Moïse Jean-Charles, petite Dessalines. Dans la bataille politique violente tap fait pour combattre Jovenel Moïse. Vite l'homme innocent, allié sûr de Eva Lier Beauplan, ancien sénateur l'Ouest, à deux reprises, Lavalas, malheureusement. Vite l'homme innocent, allié sûr de Jean-René Senatus, alias Zokiki, ancien sénateur l'Ouest, malheureusement, ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, il pat mal à l'époque. Vite l'homme innocent, alias sûr de Ariel Henry, ancien ministre intérieur, actuel premier ministre dans la condition qu'il connaît avec 12 balles. Yo pété fiel Jovenel Moïse,
deux pieds cassés, Jovenel Moïse, deux poignets cassés, Jovenel Moïse, deux yeux pétés, Jovenel Moïse, yo crasé crâne, Jovenel Moïse, yo pété colonne vertébrale, Jovenel Moïse. Ariel Henry, premier ministre, ça va le gagner 21 mois. Allié de Vite l'homme innocent. Vite l'homme innocent, papa haïtien. Actuellement là, m'a dit nous que Vite l'homme, t'es capable de bailler un bourrade. Même considérer monsieur comme un illettré, comme un idiot, comme un petit bête sauvage, comme un petit criminel notoire. Monsieur, c'est un privilège. Et son occasion en or. Parce que pendant que le pays a péri, criminel qui te font mal ou qu'on facilite pour que ou ta venge yo et pour protéger masse populaire là qui a souffri suite avec Zach Malhonnête que groupe criminel qui t'a voyo te posé dans le pays a sous ta base de soutien et solidarité peuple haïtien ou te ou gen occasion pour rejoindre ni parce que peuple a vulnérable c'est kidnapping c'est balle dans tête c'est caillou qui a boulé c'est machine qui a boulé c'est disparition totale c'est vol c'est viol je dis à vous en tant que chef de gang. Ou te gen a solidarisé avec peuple là et pour dire peuple là mais tout le monde qui mette dans ça moi même tout m'te là dedans et ben m'a commencé manger pour nous comme moi yo trahim m'a pande nous soutien nous en vérité 7 fois 77 fois m'pren bon Dieu dans cela comme témoin vite l'homme t'a besoin de soutien tout peuple haïtien général parce que yo t'a prêt son nèg à sa patte que yo t'a prend zam pour te bali pour entrer dans gang et que qui vient conscient qui dit le pas prêt là-dedans la solidariser avec peuple plan pito mais la dépatcha criminel assassin qui te rentre dans gang nan si vite l'homme t'es intelligent malheureusement monsieur son petit volo monsieur pas sérieux parce que si monsieur était honnête on garantine vous serez des criminels qui va respirer dans pays toujours c'est mon débile qui tape dans pays a et me garantis ou peuple a ta bombe amnistie vite l'homme. Mais dans le niveau rivé là, il est trop tard. Peuple, t'as blanchou vite l'homme. Sous tes fous façons, ou t'es défoncé, ou t'es marché sous criminel directement, allié ou yo. Bon, de, m'babon menti, ou t'as belle devant peuple là. Et c'est deux mouns qui j'en privilège ça, malheureusement, qui a raté. Gen Jimmy Cherizi alias Barbecue de G9, qui te joué ni, li raté. Vite l'homme, jeune occasion or, li raté. Ou parler, malheureusement, ou pas poser action. Son monde pour vos actions, malheureusement, c'est peuple là que vous dites ou à protéger, que vous même encore, ou à bouler kayo, ou à bouler machine yo, ou à kidnapper petit yo, ou à kidnapper yo, ou à touye policier, qui bon policier qui a protégé et servir, et puis criminel yo, toujours à fonctionner dans la population, à gagoter l'argent l'État. Vite l'homme innocent, nous prenons pas la voix. Mais espérez que, paysan, nation, peuple haïtien capitaine de nous là assumer responsabilité parce qu'il nous brale dire qui choy. Écoutez bien. Peuple haïtien, Jacques de Diolan, gen yon bourade qui prévoit bay la. Et m'a dit nous que président dominicain, qui c'est Luis Abinadel, c'est hostile définitivement envers les oligarques corrompus haïtiens. Et donc on est avec ça influent en Dominicanie. Il a investi en pile l'argent en Dominicanie. Et même vin chercher comprendre l'homme analyser pour me comprendre évidemment dans dernier temps ça yo déclaration que président Luis Abinadel a fait. Dans un premier temps t'es très mal ouais président dominicain qui c'est Luis Abinadel. Dans démarche qu'il t'a fait côté que c'est t'ap clioné intervention militaire pour pays d'Haïti. Jodia, m'vin ouè mission l'autre façon. Bien que le pa jambay vague. Parce que nous connaissons. Monsieur Gedene que le bien dans le pays d'Haïti. Mais jodia, parole monsieur yo. Baba nous m'a-t-il pas fait monsieur ça au bien. Parce que Abinadel, en Dominicani, monsieur pas dans volé. Elle m'a dit nous ça. Monsieur pas dans volé. Yo pas jambay kalan yé pour yon akot monsieur participer dans la corruption du tout.
Monsieur qui investit dans l'éducation. Nèg sa construit en pile université en Dominicani. Yo fait l'argent dans ça. Ça veut dire que yo éduquer ti moun dominicain. En Haïti, boulos qui sont libanais, même j'avec Luis Abinadel. Mais boulos même c'est mitraillette que le bail. Luis Abinadel lui-même lui mettait plume. Il mettait kaye dans mes ti moun yo et puis mettait connaissance dans tête yo. Mais en Haïti, boulos mettait zam nan yo pour vider balle sou frère avec soi yo. Mais je dis ya, ça li sou route pour que li tourne compte oligarque criminel haïtien yo. Moi même dernière déclaration que moi Abinadel fait là son déclaration piment bouc. Et son déclaration garçon pas campé. Et moi li vinn joine Premier ministre pays Canada qui hostile envers oligarque corrompu haïtien yo. M'vin wè démarche là li pa piti. Parce que faut que nous comprenions bagay. Jodi a oligarque corrompu haïtien avec la classe politique haïtienne, politicien nou yo, volon nou yo. Yo pè Canada, yo pè la France, yo pè États-Unis. Mais yo côté pour yo investir tout l'argent yo, c'est en République Dominicaine. Yo commencé ça en 2020. Yo commencé ça en 2020. C'est gros l'argent. Gros bout de tonton l'argent qui investit en Dominicani. Gros cop ou connaît. Les cap investi cap acheter chaîne appartement pour 30 millions de dollars, 40 millions de dollars américains, cap acheter chaîne appartement. Cap acheter des projets. Depuis les projets comme si montrer. Yo montrer projet seulement nèg ki t'acheté pour 3 4 millions de dollars américains. C'est ça des haïtiens, des politiciens haïtiens, ancien président provisoire dans pays d'Haïti, ancien premier ministre pays d'Haïti, c'est ça nèg yo fait. Jean Risséan c'est youn, Jocelyn Privé c'est youn, bien c'est sénateur. Pilote gros baron qui a investi gros cob en Dominicani. Allez, yo prêt pour tout. Yo comme ça, oui. Un badge là. Yo dit tel bagage là, vous avez 3 millions de dollars américains, vous mettez tout ensemble. Yo fout tout, yo capable. Même dit monsieur, yo, je fais la tomber dans de l'eau. C'est pas j'aime juste à l'ouvrir. Je fais la tomber dans de l'eau. C'est pas j'aime juste à l'ouvrir. Ok? Je fais la tomber dans de l'eau. C'est pas juste ça le pourri. Je fais la tomber dans de l'eau. C'est pas juste ça le pourri. Nous touyons en pile monde vrai. Mais nous pas touyer tout le monde. Nous touyons en pile monde. Nous pas touyer en pile monde. Nous pas touyer tout le monde. Faites attention. Faites attention. Nous connaissons sans que. Nous avons 36 ans. Nous avons touyer monde. Et c'est dans ça nous bâti capital nous. Et faut me faire nous connait que gon niveau Abraham a 17 assez. Et c'est ça qui commence fait là. Nous pas katouye gros palto international yo. Nous pas katouye président Luis Abinadel qui traque nous là pour le moment. Et m'a dit nous ça. Démarche que président dominicain qui c'est Luis Abinadel a fait là, il pas pour compte lui. Et me connait nous pas premel, mais nous pas faire rien. Parce que nous vinn là kaeli. Nous volons l'argent pays d'Haïti, nous venons investir en Dominicani. Mais je dis, si politique là qui a fait, c'est contre nous pour le faire, et même sûr que c'est à bon politique là. Je ne sais pas comment ça va le faire. Mais sauf que, Luis Abinadel n'a pas été attaché avec oligarque corrompu pays d'Haïti. Comme nous connaissons, M. Zami, en pile de nexa yo, mais moi, M. Mette Kod dans le bras, il y a un gros baron dominicain qui était dans tout le Jovenel Moïse, qui est dans la corruption dominicani, bien que il n'y a pas arrêté pour le dossier Jovenel Moïse là. Mais vous arrêtez parce que vole, parce que vous dites la corruption en Dominicani parce que il était ministre des travaux publics. Et que ça sont des multimillionnaires. Parce que ça est important pour que nous pour nous fontier des populations comprennent ni et peuple haïtien tout lui même pour le pas jamais été bois croisé parce que je dis il y a des démarches qu'a fait même s'il t'a fait avec hypocrisie mais quelque part la fête dans sens où si que ou même ou t'as rentré dans mon appart là. Bon. Et ça a passé je dis à côté la République dominicaine, il prend position. Ça veut dire pour le tabac, on coupe main avec Haïti, la question ça a passé en Haïti, la question corruption, la question vol, la question criminalité, parce que Haïti lui-même, la connaît tout ça, pas bon. Mais, c'est le même point de vente, c'est pas parce que l'ivre est aidé, nous soutenons ça, non? Parce que ça a passé en Haïti, elle a commencé à pourrir la République dominicaine. Je vous dis, parce que nous connaissons la question vol, les machines, dans pile machine qui n'est pas volé, c'est le même, Haïti, vous venez là.
on garde la question et pour les machines, nous prenons la question crime yoto. Je dis à commencer dans pile crime qui a fait en République dominicaine et c'est des réseaux criminels qui ont relation avec réseaux criminels qui a fonctionné dans le pays d'Haïti. Je dis à la Luis Abinadel pour nous très prudents avec ni Canada ni Luis Abinadel. Je dis à vous pas qu'être qui ont tradition de quoi dans l'État, c'est fou et meilleur en d'entrer au public là, c'est voter l'argent par sac et l'argent ça au travail au pavel, c'est prendre l'argent ça à investir à l'étranger, parmi côté toujours à investir comme ça c'est la République dominicaine. Et c'est pour bagaille qui date aujourd'hui hein, et qui commençait et par exemple soit avec pouvoir la valation pour venir tomber et sous PHTK. Il commençait avec le régime des Duvalier. Parce que tout nèg qui était dans le régime Duvalier qui font pas être gros commandes dans pays, nèg ça voter comme ça, il y a serré au sein domaine et investir au sein domaine. Et voilà qu'il pa yo ou pa wè rien qui investi. Et pour joindre parce que prendre qui passe dans pouvoir avec ils sont continuité parce que c'est dans ADN yo. Ça y est. Parce que son bonne salope, son bonne criminel, c'est dans ADN yo. Et bien, et c'est même moun yo tout, yo continue bagaille là avec pouvoir la valation. Il passe pour pouvoir acheter car parce que en pile dans corps du Caribéa comme que nèg yo prend yo détourné comme qui était là pour déconstruire route l'école paquet bagage dans pays comme ça on nèg yo prend à l'investir ce domaine et même des journalistes tout le dit à la grand gorge qui gagne micro dans mayo c'est des nèg qui possédaient des gros fortunes en République dominicaine yo dit quoi appartement en République dominicaine en pile bagage on prend beaucoup de nèg politique yo lui-même. Pendant où est volume et sécurité à augmenter dans des pays, c'est qui est-ce qui a augmenté? C'est yo qui a augmenté volume et volume et sécurité. Eh bien, on paquet politiciens raquettés, politiciens traditionnels et locales qui investissent bonne cob dans ce domaine. Il y a un pile policier tout. Il y a un pile policier. On n'est pas la pensée, Pascal. Oui, un pile policier. Policier. Oui, vas-y. Parce que moun ki honnête yo parce que un policier qui honnête qui respecte tête pas même institution pas mettre peur même permettre qu'il construise un petit caill pour rester dans pays d'Haïti voir pour t'aval acheter caill en République dominicaine. Les boutons on est qui un policier t'a procédé des caill en République dominicaine son nèg pas bien dans pile débat avec c'est mettre en bas code pour ta pour venir investiguer sur lui pour qui côté joindre comme ça parce que une institution et côté qui mal payé et ou non système côté et l'argent qui n'est que la pas pour lui. Côté la peine d'eau là, ou la lâche de caille. Et en République dominicaine, tout pour moi, c'est quoi qui n'est que fait dans le volet. Je dis à là, pendant Canada et Saint-Domingue, il y a parlé sous question, ça qui a passé en Haïti. Mais lui revient avec nous-mêmes, et moun qui honnête, parce que n'est qui n'a action malhonnête, il n'y a pas besoin d'accord aujourd'hui pour une bataille qui fait pour recamper le système de la justice. Dito. Parce que tout ce qu'on a, corruption, captage et bandes, vol, criminalité, tout ça qui a fait dans le pays, c'est absent de justice. Dès que nous payons, la justice mourit, c'est. Nous capable de dire son champ libre avec tout qui ouvre, avec toute organisation criminelle pour ferrailler, pour faire fortune. Et c'est raison ça fait tout, vous craser la justice. Vous craser la justice. Vous craser la justice. Vous craser la justice. Et même si on a parlé de prévention, oui. Et que tu prévois, tu arriver là, mais tout d'abord, tu connais le seul organe qui est capable de faire ce problème, c'est la justice. Tout d'abord, tu élimines complètement. Tu envahis avec vol au juge corrompu, et puis tu fais voler à l'écraser définitivement. Et puis, tu es un champ libre. Tu comprends? Même beaucoup de par organisation criminelle. Tu avais dit qu'il y a un crime économique, crime de sang. Tu as anticipé. Tu as anticipé. Justement. Et tu as crasé la justice, la pédate. Et. Institution de contrôle, yo, par exemple, sous la Cour des comptes. Très bien. Parce que la Cour des comptes, pas de pouli, après audit, c'est après 3-4 ans, l'année qui déchète l'État, non? Ça veut dire, l'État doit contrôler. Parce que l'OAL est une institution. Comme si, attendez bien, Pablo Soap dit, et comme si dans la Cour des comptes fait audit, selon ça l'tendé, l'opinion publique a dit. Selon ça l'tendé, moun a parlé sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas eux-mêmes qui, comme si Nadou qui cap fait travail, qui gagne droit pour contrôler, qui pour enquêter, pour être si l'argent l'État a bien dépensé ou pas. Comme si c'est selon ça moun a dit. Ou pas attendez bien, ULCC, il y a des gens qui l'ont questionné là. C'est suite avec ça que l'tendé a parlé dans les médias en ligne, oui.
dans les réseaux sociaux, oui. Est-ce que vous avez dit là? Je dis, c'est pas vraiment qu'elle paye au même pour voir ça qui a passé là, non? C'est sur ça que vous avez parlé, et puis elle pose des questions, et elle cherche à connaître, et puis elle a une corruption, oui. Mais ce n'est pas qui grave, monsieur. On avance, Pascal. Parce que l'on va aller dans la constitution haïtienne, dans la constitution 1987 amendée. Très bien. L'éclair dans l'article 200, l'idou, la Cour des comptes, l'idou, la pour contrôler qui gère l'argent de l'État dépenser chaque green good qui dépense l'État pour le contrôler. Bon, qui va faire travailler? Je dis à la nous tous, ouais. Son entente qui joignent entre les cap volent l'argent l'État avec la Cour des comptes. Ça veut dire que vous faites un geste, ça. On garde de bon côté ULCC. ULCC, nous n'avons pas seulement la pour faire répression, elle est là pour faire prévention. Mais qui mise en place que l'institution satisfait, c'est mon cap dirigé là, pour empêcher que on paquet de cas de corruption à répéter chaque jour en de l'administration publique là. On garde bien d'autres institutions, bien Saolo et la DCPJ. Bon, entité dans la DCPJ pour bailler ça tout. Pour compliquer les gars détournés, pour les crimes financiers. Et BAP, qui c'est bureau des affaires financières, BAP, qui c'est bureau des affaires financières et économiques. Mm-hmm. Qui l'a pour que l'Ukraine, nous gagnions une quantité d'institutions qui sont là pour empêcher les faire corruption et les qui. Il faut qu'il fasse corruption que tu as mis en bas code. Mais, nous, même côté, c'est Kalbendi, Kalbendi. Jodi, c'est l'un, et clamer public, dénoncer. Il y aurait une quantité de pression qui a fait, c'est là, qui ça a fait. Et puis, il y a allé au fond, il y a enquête. Et malgré ça, tout, qu'on a nous pas dit, enquête qui a fait à tout, qui est-ce qui va le recevoir? Et rapport enquête là, et qui pour entamer des poursuites judiciaires. Très bien. Contre moun ki nan volé sa yo. On garde jodi a la. ULCC, bon côté parle. Même si nous dit pas de faire question prévention, mais le fond travail qui est nous capable d'applaudir. Parce que nous même, nous là pour applaudir tout ça bon. Eh bien, ULCC mandé avec la justice. Et la bande balaye le commissaire gouvernement, même si nous connaissons actuellement n'importe quoi, nous n'avons pas de commissaire gouvernement, nous tout simplement qu'on reste avec que CSPJ a mis de ce côté. Eh bien, la Cour des comptes mandé au niveau CAS, qui c'est caisse d'assistance sociale, comme qui l'a pour tirer mon GPT, tirer mon GKC, qui n'est pas, apprend comme ça, mon qui n'a misé en de pays pour aider, il prend comme ça, il gagote, il veut alimenter gang. Eh bien, il s'est mandé avec la Cour des comptes. Pour mettre action en mouvement contre quatre barons là-dedans, parmi moun sa yo, genye et directrice Axel Boite là. Edwin Tonton. Malgré, qui c'est Edwin Tonton. Genye Pierre Richard et Valet, qui c'est chef comptable là. Mm-hmm. Eh bien, jusqu'à présent, qui s'accède de bon côté? Ça veut dire qu'il faut garder problème là. Problème là, son problème la justice. Edwin Tonton, ménage Osmi la petite frère. Ménage lui, oui. Mm-hmm. Oui. Ménage lui. Eh bien. Eh bien, on y a. On garde bon côté, nek qui reproché parce qu'il n'a pas fait déclaration patrimoine. Côté nek sa yo ta doué, et commissaire gouvernement ta doué dossier nek yo, ça veut dire pour nek sa al juger, et pour nek sa al dire qui prévient, il n'a pas fait déclaration patrimoine. Et comme il n'a pas fait déclaration patrimoine, tout ça qui est au procès de la table pour l'État. Qui est-ce? Qui est-ce qui vrai gangster? Qui est-ce? Qui est-ce qui prend gongo? Village de Dieu, grand rabbin. Si ce qu'on fait caca,
semblent pas foutre en retard. Merci, politicien, merci pour choisir. Pour tout ça qui fait nous mal, ton écrasé mot pour mettre foutre pète fiel. Et mettre foutre pète fiel.